Une nouvelle attaque contre des Israéliens a fait 3 morts ce mardi matin à l'entrée d'une colonie juive de Cisjordanie près de Jérusalem. Les victimes, un policier et 2 gardes âgés d'une 20aine d'années, ont été tués par balle par un Palestinien qui a lui-même été abattu. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussitôt accusé les leaders palestiniens d'attiser la haine. L'enquête est en cours, mais nous pouvons déjà dire avec certitude que la maison du terroriste sera démolie. Cette attaque meurtrière est le résultat d'une provocation systématique de l'autorité palestinienne et j'attends de Mahmoud Abbas qu'il condamne cette attaque et qu'il n'essaie pas de la justifier. L'assaillant habitait dans ce village palestinien et possédait un permis de travail israélien qui lui permettait d'exercer dans les colonies de Cisjordanie et en Israël. Son geste a été salué par le mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza. Cette opération était courageuse et héroïque. Elle est le résultat des crimes et des violations de l'occupation israélienne contre notre peuple, notre terre, nos sanctuaires à Jérusalem et la mosquée à Al-Aqsa. Les Israéliens redoutent que la période en cours des fêtes juives soit marquée par une multiplication de ce type d'attaques.